Fashion Week, c'est magnifique. Allez, bleu électrique. Fashion Week, c'est magnifique. Allez, bleu électrique. M'envoyer à leurs pieds, je devrais me mettre à voler. Fashion Week, c'est magnifique. Allez, bleu électrique. Ali Karoui, Fashion Week de Tunis. Nous rencontrons pendant la Fashion Week de Tunis. On s'est raté à Cannes, mais on se retrouve à Tunis. Donc c'est parfait, on va parler mode. Ma première question, pourquoi est-ce que vous avez choisi la mode comme territoire d'expression ? La mode pour moi, c'est une liberté d'expression. C'est moi avant tout. J'adore habiller la femme, j'adore la sublimer. Et c'est une passion depuis tout jeune. Cette femme, vous la visionnez, vous la projetez comment ? Quand vous êtes devant votre page blanche, comment votre esprit fonctionne ? Comment justement la main, le geste, le crayon matérialise ces robes et habille ces femmes ? Premièrement, je commence à dessiner la silhouette. J'adore rendre la femme plus féminine qu'elle ne l'est déjà. Pour moi, la femme, elle a l'apogée de sa féminité. J'adore montrer les courbes du corps d'une femme. J'adore sublimer, la rendre encore plus belle qu'elle ne l'est. Et pour moi, le plus important quand une femme porte une robe Ali Karoui, c'est quand elle rentre dans une pièce, c'est qu'on ne voit qu'elle. Comme on dit, ça claque. Voilà. Elle est visible. Ça claque et que ça brille et qu'elle soit la star du moment, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on retrouve vos robes sur le red carpet. C'est très très rare carpet. C'est très soirée, c'est très cocktail dress. Oui, exactement. Et voilà, pour moi, c'est un honneur d'habiller des célébrités. Pour avoir moi, un petit name dropping. Bien sûr, j'ai habillé Victoria Silvstedt, là récemment à Cannes, Miss Tanzanie qui s'appelle Myriam Ojimba, et deux mannequins de Victoria's Secret, Stephanie Jessinger et Vita Sidolkina à Amphar. Joli palmarès. Donc, vous révélez des courbes, vous révélez des lignes. Est-ce qu'il y a des matières, justement, qui sont vos fétiches ? Transparence, brillance, révélation de la peau ? J'adore la transparence. C'est féminin, c'est élégant, c'est chic. Faut pas aller trop dans l'extrême non plus. Je brode tout à la main. J'aime quand il a de la brillance, mais faut pas trop en mettre non plus. Faut pas que ça soit trop bling-bling. Faut que... Voilà, j'utilise beaucoup de dentelle française et... Et sinon, j'utilise tout ce qui est matière légère, la mousseline de soie, de la soie. Voilà, c'est que des matières fines et raffinées. Les femmes qui portent vos créations affirment leur corps, mais il y a un message derrière parce que c'est extrêmement sexy. Il y a cette idée de liberté, d'être qui on veut être. Oui, exactement. Moi, je pense que chaque femme qui ose mettre une robe de chez moi, c'est qu'elle assume, c'est qu'elle assume sa féminité. Qu'elle est là pour dire regardez-moi, j'existe, je suis là, je suis belle et j'attire tout le monde, j'aime qu'on me désire. Avec sensualité, c'est bien cette notion de désir. J'étais ravie de vous rencontrer et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine collection, peut-être à Paris, à Cannes, à Tunis ou ailleurs. C'était William Arlotti pour le Fashion Post. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ravi. Fashion Week, c'est magnifique. Allez, bleu électrique. Fashion Week, c'est magnifique.